Quel drôle de rêve. Mon nom, c'est Naofumi Iwatani. Étudiant en deuxième année. Je suis un peu otaku sur les bords. Oh. Journée ensoleillée. À l'époque où mon frère avait commencé à mal tourner, j'avais réussi à le remettre sur le droit chemin. Résultat, mon père et ma mère m'ont remercié en me laissant crêcher ici. Argent de poche inclus. J'avais pas besoin de bosser. Du coup, je pouvais profiter de ma vie d'otaku. Mais c'est pas pour autant que je vivais reclus chez moi. Au contraire. Quand j'étais à court d'argent à dépenser, j'allais à la bibliothèque pour parcourir des light novels. J'étais un otaku un peu plus banal, qui menait une vie lambda. C'est quoi ce bordel? Mais tout a changé quand j'ai ramassé ce livre. Les quatre armes saintes. Oh, intéressant. Voyons ce que dit le résumé. Pour sauver le monde des vagues de calamités apocalyptiques, quatre héros venus d'un autre monde seront invoqués. Ça ressemble fort à un light novel. Voyons la suite. Chaque héros manie une arme caractéristique. Une épée, une lance, un arc ou un bouclier. Je suis quasi sûr que c'est pas une arme, un bouclier, mais plutôt une sorte d'armure. Et l'héroïne dans tout ça, où est-ce qu'elle se cache alors? Je pense pas que ce soit cette princesse. Elle a l'air plutôt vulgaire. Ah, oh, les héros ont tous l'air d'avoir leurs points forts. Ils ont vraiment tous la classe. Je suppose qu'ils sont tous les quatre les protagonistes. L'épée, la lance et l'arc, même le bouclier est mis en avant en fait. Une page blanche? Ça y est, nous avons réussi l'invocation. Je suis où? Courageux héros, je vous en prie, sauvez-nous, sauvez notre monde. Quoi? Qui sont ces gars? Mais... où j'ai atterri, là? Mais c'est quoi ce truc? Un bouclier? De grâce, courageux héros, aidez-nous à sauver notre monde. Sérieusement, je rêve? Une minute, que voulez-vous dire par là, exactement? Il y a une histoire longue et compliquée derrière tout ça. Mais nous vous avons convoqué ici, vous, les quatre saints ancestraux, grâce à un rituel ancestral. Les quatre saints ancestraux? Donc ils pensent qu'on est tous les quatre les héros d'une légende? Notre monde est en train de vaciller, il court un grand danger et est aux portes de la destruction. Oh, courageux héros, nous vous en supplions, veuillez nous prêter main forte. Je suppose que je pourrais au moins vous écouter? Je refuse. Ouais, pareil, je refuse aussi. Avant toute chose, dites-nous, on peut retourner dans notre monde, pas vrai? On parlera de vos problèmes après. Vous n'éprouvez aucune culpabilité à nous avoir convoqués ici sans notre consentement. N'avez-vous pas honte? Et on y gagne quoi? Si vous nous renvoyez chez nous dès que la paix sera rétablie, alors on aura travaillé pour rien. Et de quelle façon êtes-vous prêt à nous accueillir? En fonction de votre réponse, on pourrait très bien devenir vos ennemis. Non seulement ces gars ne cherchent même pas à comprendre la situation, mais en plus, ils demandent déjà le respect et des récompenses. Eh bien, tout d'abord, nous avons l'honneur de vous proposer une audience avec le roi de notre pays. Mais le remarque, vous pourrez négocier vos récompenses après ça, s'il vous plaît. D'accord, pourquoi pas. Je suppose qu'on peut écouter son offre. Bien, mais nos demandes ne vont pas changer, peu importe à qui on parle. Ouais, ces gars pourraient pas plus se la péter. C'est dingue. On est vraiment dans un autre monde. Ouais. En tout cas, cette brise est agréable. Si je pouvais voyager, c'est exactement dans ce genre d'endroit que j'irais. Attends, tu veux dire que t'as jamais voyagé en dehors du Japon? En voyant cette brise dehors, je dirais que cet endroit a un climat méditerranéen standard. Ouais, excusez mon manque de connaissances et de vocabulaire. Ah, ces hommes sont donc les quatre saints ancestraux de la légende. Permettez-moi de me présenter, je suis le roi de Melromark, Oldcray Melromark 32. Bien, et à présent, héros, présentez-vous. Eh bien, moi, je suis Ren Amaki. J'ai 16 ans et je suis lycéen. Je m'appelle Motoyasu Kitamura. J'ai 21 ans et je suis étudiant. Je suppose que c'est à mon tour.
Je suis Itsuki Kawasumi, j'ai 17 ans et moi aussi je suis lycéen. Il ne reste plus que moi, du coup. Alors, je m'appelle... Ren, Motoyasu et Itsuki, c'est ça? Hé, le roi, vous m'avez zappé, je me suis pas présenté. Ah oui, bien sûr, navré. Hé, le roi, sérieux? Tu devrais faire preuve de plus de respect quand tu t'adresses à lui. Je devrais l'appeler Majesté, alors? C'est pas trop pompeux? Roi, c'est très bien. Excusez-moi, je voulais pas vous manquer de respect. Bon, du coup, moi, je suis Naofumi Iwatani. J'ai 20 ans et je suis étudiant aussi. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous donner quelques explications. Vous m'ignorez, en fait. Mon pays, Mel remarque, ainsi que le reste du monde est sur le point de périr. Nous sommes aux portes de la destruction et nous risquons de disparaître. L'attitude qu'a le roi à mon égard me gaffe sérieusement. Mais pour résumer, une prophétie a annoncé la fin de ce monde. Selon elle, des vagues de calamités se succéderont et déferleront sur le monde pour apporter l'apocalypse. Si les calamités provoquées par ces vagues ne sont pas déjouées, le monde sera détruit. Chaque pays de ce monde possède depuis des siècles un sablier du dragon ancestral, qui permet de prédire l'arrivée des vagues. Une première déferlante a assailli ce pays avant notre invocation. Chevaliers et aventuriers ont tout fait pour repousser au mieux cette vague. Toutefois, les prochaines risquent d'être encore plus puissantes et dévastatrices. Le sable continuera à s'écouler tant qu'il y aura des vagues. Et il reste moins d'un mois avant la deuxième. Il est évident que nous avons sous-estimé ces vagues. Bien entendu, après en avoir fait l'expérience, on s'est vite rendu à l'évidence que seuls les quatre saints ancestraux avaient le pouvoir de les contrer et de nous sauver. C'est pour cette raison que nous vous avons invoqués tous les quatre. Il n'y a plus un instant à perdre. Ça alors? Son histoire est la même que celle du bouquin? Très bien, on a tous compris la situation. Cependant, il va de soi que vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous sauve gratuitement. Bien entendu, vous avez raison. Dès lors que vous aurez repoussé toutes les vagues, vous recevrez une récompense généreuse. Ah, vraiment? Eh bien, je suppose qu'on devra se contenter de votre parole. On vous aidera du moment que ça ne se retourne pas contre nous. Mais ne croyez pas pour autant que vous pourrez nous contrôler. Exactement. Il serait préférable de ne pas nous sous-estimer. Ouais, je suis d'accord avec eux. Décidément, ces gars sont vraiment arrogants. Très bien, nous avons donc un accord. À présent, cher héros, je vous invite tous les quatre à vérifier vos statistiques. Nos statistiques? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous auriez dû le remarquer dès notre arrivée dans ce monde, voyant. Oh, faut vraiment que t'arrêtes de te la jouer, monsieur je sais tout. Vous ne voyez pas une icône dans un coin de votre champ de vision? Hein? Ah ouais, t'as raison, elle est là. Essayez de vous concentrer dessus. Ah... Comme ça? Il est écrit niveau 1. Ça, c'est pas vraiment rassurant. J'avoue, c'est pas terrible. Je suis même pas sûr qu'on puisse se battre comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi on a tout ça? C'est une magie que seuls vous, les héros, pouvez utiliser. Et donc, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Vous allez devoir partir à l'aventure pour vous entraîner et améliorer les armes légendaires qui vous équipent. Donc elles ne sont même pas à leur potentiel maximal dès le départ. En plus, mon bouclier, c'est même pas une arme, en fait. On pourrait pas utiliser d'autres armes le temps que celle-ci soit exploitable. Allons-y pas à pas, et on verra bien au fur et à mesure. Dans tous les cas, on dirait bien qu'on va devoir s'entraîner nous-mêmes. On doit augmenter nos niveaux le plus possible. Alors je suppose que le mieux serait de former un groupe à nous quatre pour s'entraîner ensemble. Attendez un instant, les héros. Ce n'est malheureusement pas possible. Vous allez devoir partir chacun de votre côté et recruter des compagnons. Et pourquoi? D'après la légende, les armes légendaires sont d'une nature à se repousser mutuellement. Ça signifie donc que leur croissance se bloquerait si vous restiez ensemble. On dirait bien que c'est la vérité. Et apparemment, les armes nous traduisent toutes les informations orales et visuelles. Le soleil est en train de se coucher. Reposez-vous cette nuit car vous prendrez la route dès demain. Pendant ce temps, nous réunirons nos meilleurs éléments qui deviendront vos compagnons de voyage. Ah. Nous avons préparé vos chambres, elles sont prêtes. Veuillez me suivre par ici, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que les quatre saints ancestraux avaient été invoqués. Ils sont tous les quatre ici dans ce pays? T'en es sûr? Attends, ça veut dire que le héros au bouclier aussi. Je suppose qu'on a droit à un traitement de faveur quand on est un héros. D'ailleurs, la fille qui nous a montré nos chambres était mignonne. Les plats avaient un goût étrange, mais ils étaient somptueux. Dites, on dirait un jeu vidéo, vous trouvez pas?
Normal, c'est exactement ça. On est dans Emerald Online, je crois. Hein ? C'est quoi ce jeu ? Hein ? Sérieux ? Il est super connu pourtant. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas du tout un jeu multijoueur. Ça a tout d'un bon vieux RPG plutôt. Il s'appelle Dimension Wave. Mais non, vous avez tort tous les deux. On est dans un VR MMO. En fait, ce monde est quasiment le même que dans Brave Star Online. On devrait trier les infos qu'on a. Ren, quand tu parles d'un jeu en réalité virtuelle, c'est à prendre au sens littéral ? Ouais. Vous deux aussi, vous savez ce que ça veut dire, pas vrai ? Je crois qu'un jeu de SF que je connais a exploré le concept, ouais. Ouais, moi j'ai lu ça dans un light novel. Vérifions des connaissances plus basiques pour être certains. Comme par exemple, qui est représenté sur le billet de 1000 yens ? 1, 2, go ! Yowarasatayo ! C'est qui ça ? Quel était le mot de l'année ? Comédien de doublage préféré ? Quels pays ont gagné la Seconde Guerre mondiale ? Qui est le Premier ministre ? Bon, eh bien, apparemment, on vient tous d'une version différente du Japon. Ouais. En tout cas, c'est clair qu'on parle pas du même pays. Donc, il existe différentes versions parallèles du Japon aussi. Je m'attendais à ce qu'on vienne de différentes époques, mais pas à ça. J'en reviens pas que vous ayez tous les trois joué à un jeu vidéo avec un univers similaire à ce monde. Pourquoi je suis le seul à qui c'est pas arrivé ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perso, j'ai juste pensé que c'était peut-être à cause du bouclier. Oh, toi aussi, t'as pensé ça ? Ouais, ça me paraît évident, en fait. Quoi ? Pourquoi ? Ça craint d'avoir le bouclier ? Ok. Laisse grand frère Motoyasu t'expliquer les bases du monde des jeux vidéo. À ma connaissance, ce qu'on appelle les Shielders, la classe des porteurs de boucliers... Ouais ? Ben, y a personne qui la joue à haut niveau. C'est typiquement pour les losers. Hein ? Non ! Dans vos mondes aussi ? Désolé. Moi aussi, pareil. Et la topographie, ça donne quoi ? Là aussi, a priori, c'est très similaire à ce dont j'ai l'habitude. Chaque arme a son terrain de prédilection. L'idéal serait donc de se séparer. Pas grave si je suis faible. Je pourrais toujours compter sur mes compagnons de voyage. Peut-être même qu'il y aura des filles dans le lot. Le rôle du bouclier est sûrement d'encaisser les attaques et de protéger ses alliés, pas vrai ? La vie que je menais dans mon monde était dépourvue de romance. Alors pourquoi ne pas en trouver ici ? Ça va aller. Après tout, j'ai la chance d'être dans un autre monde. Même si je suis faible, ça ira. Allez, je vais y arriver ! Ouais, t'as tout à fait raison. On doit partir à l'aventure dès demain. Retournons dans nos chambres, on a tous les quatre bien besoin de sommeil. Vous pensez qu'ils ont des bains ici ? C'est fort probable que tu doives aller dehors. C'est vrai. Ma grande épopée démarre demain. Nous avons réuni de courageux guerriers qui souhaitent se battre aux côtés des héros légendaires pour repousser les vagues. Alors c'est avec eux qu'on va former nos équipes. Eh ben, il y a même une jolie fille parmi eux. Dès à présent, champions de notre avenir, l'heure de votre grand départ est arrivée ! Hein ? Ce sont eux qui choisissent ? T'en as 3, 5 chez toi, et toi 4. Hé, le roi ! Je dois bien avouer que moi non plus, ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais. Aucun volontaire, c'est qu'il doit manquer de prestige. Une telle rumeur s'est propagée dans le royaume. Y a-t-il un problème ? Il s'avère qu'une rumeur selon laquelle le héros au bouclier ignore les fondements de notre monde circule au sein du royaume. Pardon ? La légende précise que le héros arrive dans notre monde avec des connaissances de base. Et il semblerait que le héros au bouclier ne répond pas à ce critère. Oh. Peut-être que quelqu'un écoutait à notre porte lors de notre discussion d'hier. Sérieux ? Juste pour ça ? Je connais pas grand-chose, mais bon. Hey, Ren, t'as 5 volontaires, c'est plus que nécessaire, tu pourrais partager. En réalité, je suis plutôt du genre solitaire. Donc s'il y en a qui traînent, je les attendrai pas. Motoyasu, t'en penses quoi, toi ? Tu trouves pas que c'est injuste ? Personne n'a jamais dit que les équipes devaient être équilibrées. Ça a pas l'air de le déranger, ça m'énerve ! Le plus équitable, ce serait d'avoir chacun 3 compagnons, c'est vrai. Par contre, on ne peut pas vraiment les forcer, ça saperait leur morale. En gros, vous me dites tous que je dois voyager en solo ? J'ai le bouclier, l'arme des losers, comme vous dites si bien.
Comment je peux devenir fort si je suis tout seul? Oh. Messire Hero. Oh. Hein? Oh, cette fille. M'autoriserais-tu à changer d'équipe pour accompagner le héros au bouclier? Oh, t'es sûre de toi? Tout à fait. Sérieux? Cette fille veut bien être dans mon équipe. Y a-t-il d'autres volontaires souhaitant accompagner le héros Naofumi? Soit, comme bon vous semble. Je suppose qu'on va devoir changer les règles. Hero Naofumi, tu devras toi-même recruter les compagnons de ton choix. D'accord. Chaque mois, les héros recevront les fonds dont ils auront besoin. Pour cette fois, le paiement de Naofumi sera plus élevé que les autres. Voici donc votre trésorerie initiale. Je vous prie de l'accepter. 800 pièces d'argent pour le héros Naofumi. Et 600 pièces d'argent pour les autres héros. Utilisez ces fonds pour vous équiper et partez à l'aventure. Bien. À plus tard, Naofumi. T'as intérêt à la protéger, tu m'entends? C'est dommage qu'on ne puisse pas t'aider, Naofumi. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage pour recruter des gens. Et puis on se reverra, le moment venu. Ouais. Je devrais me présenter, héros au bouclier. Sache que c'est un véritable honneur de me battre à tes côtés. Je m'appelle Mine Sufia. Je suis Naofumi Iwatani. Ravi de te rencontrer. Le plaisir est pour moi. Elle est très ouverte et amicale. Elle a accepté de se battre à mes côtés. Je dois la protéger coûte que coûte. Bien, alors on y va. Tu es prête à te mettre en route, Mine? Absolument. On peut y aller, héros. Je vous garantis, tout prêt. J'ai eu un aperçu hier, mais je réalise de plus en plus que je suis dans un autre monde. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, cher héros? Bonne question. Wow. J'aimerais commencer par me rendre dans un magasin d'armes et d'armure. Oui, c'est une bonne idée. Avec tout cet argent, tu trouveras certainement un très bon équipement. Je connais le magasin parfait, pas très loin d'ici. Je peux t'y emmener. Ah, alors, d'accord, merci. Je t'en prie. Allez, viens. Elle est mignonne. Il faut toujours avoir une fille dans son groupe. Et voilà, c'est celle-ci, la boutique dont je te parlais. Oh. Alors, c'est à ça que ça ressemble en vrai? Bienvenue à tous les deux. Oh, c'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas? Si c'est le cas, vous avez l'œil pour choisir une boutique de qualité. Eh bien, à vrai dire, c'est elle qui m'a guidé ici. Petite, on s'est pas déjà vu, tu m'as l'air familière. Oui, c'est possible, je suis déjà venue. Après tout, ton échoppe est une vraie référence. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. Et au fait, c'est qui ton copain avec ces drôles d'habits, là? Je pense que tu le sais. Oh! Tu veux dire que c'est l'un de ces fameux héros légendaires? Tu as tiré le mauvais numéro, c'est toi qui as le bouclier? Pourquoi les rumeurs sur moi se propagent aussi vite? Pas grave, n'y fais pas attention. Je suis Naofumi Iwatani, et oui, je suis le héros au bouclier. Ravi de te rencontrer. Naofumi, hein? Je me fous que tu aies le bouclier si tu deviens un client régulier. Enchanté, le petit héros. Alors, est-ce que tu peux nous aider? On doit lui trouver l'équipement parfait pour s'entraîner. Notre budget serait de 250 pièces d'argent. De gauche à droite, on a du fer magique, de l'acier magique et de l'argent. Un certificat est bien évidemment fourni avec. Eh ben, avec ça, je vais pouvoir... Ah oh. C'était quoi, ça? Oh. Attendez, mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas non plus. C'est comme si elle s'était juste envolée de tes mains. Mais c'est impossible! Hein? Non-respect des règles? C'est quoi ce délire? Je dois me battre avec le bouclier? Bon, eh ben, apparemment, j'ai pas le droit d'utiliser une autre arme que le bouclier. Laisse-moi voir comment ça fonctionne. À première vue, c'est juste un petit bouclier. Ce truc s'enlève pas de ton bras? Je peux le bouger, mais apparemment, je peux pas le retirer de mon corps. C'est bizarre. Je sens une grande puissance, mais même ma magie d'expertise ne me dit rien de plus. Mince.
Bon, eh bien, merci de m'avoir montré un truc intéressant. Tu veux acheter une armure à la place? Oh, hey, tu ressembles déjà plus à un héros comme ça. Merci. Elle coûte combien, du coup? Je peux la faire à 120 pièces d'argent avec la ristourne. Et le prix de rachat? Oh, attends une minute que je réfléchis. Si elle est quasi neuve, je peux la reprendre pour 100 pièces d'argent. Pourquoi cette question? Probablement que tu n'en auras plus besoin quand tu seras devenu plus fort. C'est pour ça que je lui ai demandé combien il la rachèterait. Ah oui, d'accord, je vois. Allez, viens, on l'achète. Merci, je vous mets un maillot en plus pour vous montrer ma gratitude. Bien, je pense qu'il est temps d'aller s'entraîner à combattre. Tu ne crois pas, héros? Oh, d'accord. Augmentez mon niveau. L'aventure commence enfin. Il a une contenance illimitée. Ça doit être le pouvoir d'une arme légendaire. Oui. Ça doit être pour ça que j'ai ressenti aucune douleur avec les morsures. On dirait que je dois lui faire absorber beaucoup plus de choses avant de pouvoir l'améliorer. Tout s'explique. Au fait, tu sais s'il existe un endroit où on peut vendre ce qu'il reste de ces balles oranges? Oui. Mais ça doit valoir une pièce de cuivre tout au plus. Je suppose que c'est normal. Ces monstres ont l'air très faibles vu le carnage de Rennes. Je pense que j'en ai suffisamment donné au bouclier. Et logiquement, il devrait aussi évoluer en même temps que mon niveau augmente. Je propose qu'on arrête pour aujourd'hui et qu'on retourne à l'armurerie, d'accord? On pourra certainement aller plus loin demain si moi aussi j'ai un équipement. T'as raison. Un équipement pour la demoiselle, hein? Tu deviendras clairement plus forte avec un équipement adéquat, ça ne fait aucun doute. Exactement. Je sens que ça va me coûter cher, tout ça. On ferait mieux de commencer les négociations. Oh, je vois que notre héros légendaire est un vrai petit comique. 80% de rabais. Quoi? T'es fou ou quoi? 20% de plus? T'augmentes le prix, moins 89%. Tu regardes même pas le produit avant de négocier. Tu mérites de payer double. Foutaise, 90% de rabais. 29% de plus. Arrête d'augmenter! 100% de moins! Ah, donc maintenant tu le veux gratos, petit! Gratuit, ça me va! Et voilà! Oh! Patron, ça fait combien le tout avec 60% de rabais? Je peux te le faire à 480 pièces d'argent. Je peux vraiment pas baisser plus que ça. Il nous restera plus que 200 pièces d'argent, c'est ça? Mine, ce serait plus prudent de viser un peu moins haut. On sait pas combien va nous coûter l'auberge ni les autres dépenses quotidiennes. Ne t'en fais pas, héros, ça va aller. Plus je serai forte, plus on aura de butin des monstres à revendre. On ne manquera de rien. Voilà le développement cliché que j'attendais. Ah bon, bah, d'accord, on fait comme ça alors. Et voilà, on prend tout ça, patron. Merci pour votre achat. À ce que je vois, il est dur en affaire, notre héros. Merci beaucoup, héros. Au fait, patron, tu connais un endroit où je pourrais revendre ces trucs-là? Ouais, bien sûr, il y a une boutique de matériaux de monstres. Ils te rachèteront quasi tout ce que tu peux leur apporter. Très bien, merci. C'est délicieux! La cuisine du château était déjà très bonne, mais je dois dire que là, ça a vraiment le goût d'un autre monde. Tu peux prendre le temps de bien savourer ce repas. La prairie où on a combattu est par ici, c'est bien ça? Oui. Demain, on ira vers le village de la Fane, au-delà de cette carte. Regarde, juste après ce village, il y a un donjon pour les combattants qui débutent. Un donjon? Oui, ce ne sera probablement pas très lucratif, mais c'est l'endroit idéal pour monter de niveau. D'accord, je vois.
Avec ton bouclier et mon nouvel équipement, cette épreuve sera une promenade de santé. Ah oui, tu crois? Merci pour toutes ces informations. Mais de rien, voyons. Au fait, Héro, tu n'as pas encore touché à ton verre de vin, tu ne comptes pas en boire? Je suis pas très alcool. Ah oui, quel dommage. Tu sais, il a pourtant un très bon goût, celui-là. Et puis, je dois dire que j'aimerais beaucoup boire avec toi, Héro. Oh, décidément, elle est bien aguicheuse tout d'un coup. Désolée, malheureusement, j'aime vraiment pas ça. Ah bon, d'accord, c'est bien dommage. Ah. C'est là qu'on voit que tu es bien un héros. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce pays est matriarcal. Donc les hommes ici n'oseraient jamais refuser un verre offert par une dame. Sérieusement? Faut dire que je suis vraiment pas doué pour remarquer ce genre de truc. Ne t'en fais pas pour ça, c'est rien. En tout cas, je suis content d'avoir pris le temps de parler de nos plans. Je voudrais me coucher tôt ce soir, ça te dérange pas, Mine? Pas du tout. Je vais rester ici pour boire encore un petit peu, même si c'est triste de ne pas avoir de compagnie pour le faire. Oh, Mine. Oh. Je te remercie d'accompagner le faible héros que je suis avec mon bouclier. Je ne reste pas ce soir, mais je ne manquerai pas de me rattraper un autre jour. Oh. Ne te tracasse pas pour ça, voyons. Et j'espère que tu passeras une très bonne nuit, héros. Bonne nuit. Encore 200 pièces d'argent. Deux chambres à 30 pièces de cuivre la nuit. Et deux repas pour 5 pièces de cuivre. J'ai donc un peu plus de 199 pièces d'argent. Je suis vraiment en train de jouer le stéréotype du touriste à planquer mes sous comme ça. Décidément, quelle journée. Oh. Je me demande si c'est ça qu'on ressent vraiment après avoir tué des monstres. J'ai juste passé mon temps à éclater des ballons aujourd'hui. Mais je suis vraiment dans un autre monde. Oh, pas mal de nouveau aujourd'hui. Je te rattraperai demain. Allez, à demain. C'est Motoyasu et Itsuki. Allez, au dodo maintenant. Je me lève tôt demain. Petit-déj, et après, ce sera l'heure de reprendre la route. Tiens. Plus rien. Là non plus. Ma bourse, ma côte de maille, et même mes propres fringues que j'avais gardées juste au cas où. C'est pas vrai. Quelqu'un m'a tout volé. Mine, il y a urgence. Ouvre-moi, on m'a volé toutes mes affaires. Allez, Mine! Tu dors encore? Réveille-toi vite! L'heure est grave! Vous êtes des chevaliers du château? Vous tombez bien. J'ai justement besoin... Le héros, bouclier. Oui, c'est bien moi. Le roi veut te voir immédiatement. Il a ordonné qu'on t'amène à lui. Tu vas devoir venir avec nous. Oh, ça fait mal! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mine, t'es là! Est-ce que tu vas bien? Mine, ça va? Hé, le roi! Mis à part mon bouclier, quelqu'un a volé ma bourse et tout mon équipement dans ma chambre cette nuit. Il faut absolument retrouver le coupable! Silence, scélérat! Pardon, quoi? Malheureusement, Mine, pauvre aventurière, je vais te demander de témoigner une fois de plus si tu en as le courage. Le héros au bouclier était complètement ivre hier soir. C'est ainsi qu'il a débarqué dans ma chambre et m'a poussée sur le lit de force. Hein? Il a dit que la nuit ne faisait que commencer. Ensuite, le héros au bouclier s'est mis à arracher mes vêtements. Quoi? J'ai finalement trouvé un moyen de fuir et j'ai demandé l'aide de Motoyasu qui était par hasard dans la même auberge que nous, heureusement. Ah. Ah. C'est n'importe quoi! Si Mine ne m'avait pas demandé d'attendre les chevaliers... Je t'aurais déjà tranché la tête, tu peux me croire. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je suis allé me coucher directement après avoir mangé hier soir. Et d'ailleurs, attends une minute, mais cette côte de maille... C'est donc toi qui m'as cambriolé? De quoi tu parles, voyons?
Pas du tout, c'est Mine qui me l'a offerte hier quand on s'est croisés à la taverne de l'auberge. Oh. Je n'aurais jamais cru que le héros au bouclier puisse commettre le plus grand péché de ce royaume. Péché ? Vous devez savoir qu'Amel remarque, même les tentatives d'agression sexuelle sont passibles de mort. Si tu n'étais pas un héros, tu serais exécuté sur le champ ! Exécuté ? Arrêtez, je vous répète que c'est un malentendu, j'ai rien fait, c'est pas moi ! Et puis si vous êtes aussi sûr de ma culpabilité, dites-moi où sont vos preuves ! Lorsque nous avons inspecté la chambre du héros, eh bien, voici ce que nous avons retrouvé sur son lit. Tu n'es qu'un sauvage ! Cette preuve est irréfutable. N'importe quoi ! C'était pas sur mon lit à mon réveil ! Tu me déçois. J'avais peur que tu ne sois pas net, mais j'espérais avoir tort. Tu te crois tout permis parce qu'il s'avère que tu es un héros légendaire, c'est ça ? Mais non, bien sûr que non, rien à voir ! Pour rappel, tu n'es pas le personnage principal de ce monde. Alors t'as intérêt à rester à ta place ! Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est du délire. Mine. Mine, pourquoi avoir fait ça ? T'es pas mon allié ? J'ai compris. Si elle a rejoint mon groupe, c'est uniquement pour m'accuser à tort. C'était que des mensonges. Que ce soit son sourire, sa gentillesse, tout. Tu m'as piégé ! T'avais vraiment tout prévu depuis le début, en fait ! Oh, Motoyasu, j'ai peur ! C'est toi, le criminel, pas elle ! Arrête de te foutre de moi ! Tu voulais me dépouiller de mon fric et de mon matos ! Vous êtes de mèche tous les deux, j'en suis sûr ! C'était évident, en fait. Mine m'a toujours appelé héros, et là, elle s'adresse sans cesse à Motoyasu par son prénom. Si ça, c'est pas une preuve qu'ils sont de mèche, je vois pas ce que ça peut être. Donc il refuse d'admettre sa culpabilité et il ose déblatérer des accusations insensées. On dirait bien. Clairement, je ne pense pas qu'il mérite de la compassion de notre part. C'est vraiment une erreur d'invoquer les quatre héros légendaires en même temps. C'est sûr, on aurait été mieux sans le héros au bouclier. Mais qui aurait pu penser qu'il soit une telle vermine ? Encore cette histoire de bouclier ? Parce que j'ai le bouclier et que je suis faible, il me piétine. Tout ça pour qu'il puisse se sentir supérieur à moi. C'est dégueulasse. Ils sont tous aussi pourris les uns que les autres. Les gens de ce pays ne m'écoutent même pas. Alors pourquoi est-ce que je devrais les protéger ? D'accord. J'en ai plus rien à faire. Alors allez-y, renvoyez-moi dans mon monde d'origine et invoquez un autre héros au bouclier ou ce que vous voulez. Un autre monde, je m'en fous. Pourquoi je devrais vivre ce genre de situation dans un autre monde ? Alors comme ça, tu comptes fuir dès que les choses se passent mal ? Tu es pitoyable. Après tout ce que tu as fait, tu ne cherches même pas à accomplir ton devoir ? Ouais, c'est ça. Casse-toi loin d'ici. De toute façon, je ne veux pas combattre aux côtés d'un vieux... Boucle-la ! Allez ! Renvoyez-moi dans mon monde ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'aimerais vraiment pouvoir te jeter hors de mon royaume. Mais la légende précise que de nouveaux héros ne peuvent pas être invoqués tant que les quatre saints ancestraux ne sont pas morts. Sérieusement ? Attendez, c'est une blague ? Donc je peux même pas rentrer chez moi ? Eh bien, tu pourras tout à fait retourner dans ton monde une fois que vous aurez réussi à repousser toutes les vagues. Vous êtes en train de nous dire qu'on va devoir se battre aux côtés de cette ordure ? Jamais de la vie ! Dans ce cas, si je dois m'occuper de ces vagues, ce sera ma manière ! Pas un geste ! Dégagez de mon chemin ! Tu vas voir ! Vous comptez faire quoi ? Vous allez m'enfermer au cachot en attendant que les vagues arrivent ? Non, je ne vais pas t'emprisonner car la prochaine vague sera bientôt là. Tu es une petite crapule, mais tu es quand même un héros, l'un des seuls êtres capables de combattre les calamités. Toutefois, le peuple entier sera vite au courant de ton crime. Voilà ton châtiment. Ne crois pas que tu pourras mener une vie décente dans mon royaume. Ouais, je m'en doute. C'est ça que vous vouliez, pas vrai ? Très bien, voilà ! Hé, attends une seconde ! Bon, écoute, je suis faible, d'accord ? Donc j'ai pas une seconde à perdre.
C'est comme ça que j'ai tout perdu. La confiance, l'argent, mon honneur et le respect en tant que héros. Hé, hey, petit gars au bouclier. J'ai entendu ce que tu as fait à la demoiselle qui t'accompagnait. Tu mérites que je t'en colle une. Toi aussi, tu t'y mets. Tu... Bah alors, t'étais pas sur le point de me cogner? Non, j'ai plus vraiment envie. Bien, t'échappes de peu à la mort. Hé, hey, pas si vite, attends. Tu seras la risée de tout le pays dans cette tenue. Voilà mon cadeau d'adieu. Combien je te dois? Rien du tout. Disons que ça liquide mon stock et de toute façon, ça vaut à peine 5 pièces de cuivre. Ça marche. Je reviendrai te payer, promis. Ne meurs pas, petit gars. J'ai combattu toute la nuit et je suis enfin au niveau 2. Eh bien, pour ces matériaux, une pièce de cuivre, la paire, ça vous va? Ouais, ça me semble bien. D'accord, je vous les vends. Merci. Revenez me voir. Ah. Bienvenue. Oh. Combien pour le tout? Oh, des balles oranges, hein? Vous en avez 20 au total, c'est bien ça. Que diriez-vous d'une pièce de cuivre pour le tout? T'as pourtant donné une pièce à l'autre alors qu'il n'en avait que deux. Ah bon, vraiment? Vous êtes sûr que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai un commerce à faire tourner, moi, vous savez. Très bien. Alors, est-ce que tu me donnerais un meilleur prix pour cela? Il ne manque pas de mordant. Je te demande pas de les payer au prix fort, je veux seulement les vendre au prix juste du marché. Ou alors, attends, peut-être que c'est ma tête qui t'en revient pas pour une certaine raison. C'est bon, j'accepte, laissez-moi! Enlevez-moi ces choses! Marché conclu. Sache également que si tu n'essaies pas de m'escroquer et qu'on fait souvent affaire ensemble, je serai prêt à te faire une ristourne. D'accord. Bien que je préférerais refuser cette transaction, je n'ai rien à reprocher à l'argent et aux matériaux que vous m'apportez. Ah, et aussi, marchand, répands cette nouvelle rumeur à mon sujet dans toute la ville. Les commerçants qui essaieraient de m'arnaquer finiront tous par être mordus. Pas besoin de me le demander, c'est ce que je comptais faire. À notre longue collaboration. Ok, donc en gros, une fois que j'ai une capacité débloquée avec un bouclier, je peux toujours la garder même si je change et que je prends un autre bouclier. Bouclier feuille. C'est vraiment similaire à un jeu vidéo. Attends, la qualité est améliorée, sérieux ? Oh, ça alors, elles sont de bonne qualité. Où les avez-vous trouvées? Dans la forêt au-delà des remparts. Vous ne le saviez pas? Ah,
Je ne savais pas qu'on pouvait trouver un tel produit par ici. Je pensais que la qualité était plutôt moyenne. Depuis ce fameux jour, la nourriture n'a plus aucun goût. Hé, hey, le héros au bouclier. Nous, on veut bien faire partie de ton équipe. Ouais, ouais, tu peux être reconnaissant qu'on t'ait trouvé. Avant toute chose, commençons par nous mettre d'accord sur les termes du contrat. D'accord. Vous serez uniquement payé en fonction de vos performances. Vous comprenez ce que ça signifie ? Non, absolument pas. Ça signifie que vous serez payé selon ce que vous récolterez. Je suis le chef, donc je prendrai environ 40% des gains. Et c'est donc moi qui jugerai comment sera réparti le reste. Bien sûr, il va de soi que si vous ne faites rien, vous aurez absolument rien en retour. Attends, c'est quoi ce délire ? En gros, tu nous dis que tu pourrais très bien garder le butin entier pour ta pomme, c'est ça ? Je promets de vous payer si vous faites votre part. Enfin, si vous y arrivez. Bon, allons acheter du matos. Achetez vos équipements vous-même. Il n'y a aucune raison que ce soit moi qui paye pour vous. Hein ? Laisse tomber, finis de jouer, file-nous tout ton fric. Ah, eh bien, vous auriez vraiment dû commencer par ça, histoire qu'on ne perde pas tout ce temps. Ah ça alors, mais c'est que t'es bien obéissant, quoi. J'ai une bonne défense, c'est sûr, mais il me manque encore l'offensive. À cause de ça, je galère à tuer des monstres. Et ça m'empêche d'augmenter ma jauge d'expérience. Ce qui signifie donc que ma capacité d'attaque n'augmente jamais non plus. C'est un cercle vicieux. Et merde ! Tu sembles être bien embêté. Tu manques de main-d'œuvre, et il s'avère que j'ai exactement ce qu'il te faut. Je te préviens, c'est inutile de me présenter des équipiers. Des équipiers ? Oh non, tu te trompes. Loin de moi cette idée. Ce que je te propose est un service bien plus pratique. Et ça consiste en quoi ? Ça t'intrigue, n'est-ce pas ? Ne t'approche pas. Ce regard dans tes yeux est typiquement le genre qui me plaît. On dirait bien que la rumeur visait juste à ton égard. J'en déduis que tu sais qui je suis, alors. Oui, bien sûr, tu es le héros au bouclier. Alors si mon offre t'intéresse, je te prie de bien vouloir me suivre. Par ici. Et donc, qu'est-ce que tu veux me proposer exactement ? Tu ne comprends toujours pas ? Je te propose des esclaves. Pardon ? C'est ça, tu as bien entendu, je suis un vendeur d'esclaves. D'accord, et qu'est-ce qui te fait dire que j'en veux un ? Peut-être le fait qu'ils ne peuvent ni mentir, ni trahir leur propriétaire. Oh. Les esclaves sont soumis à une lourde malédiction à laquelle ils ne peuvent échapper. C'est une malédiction puissante, sous forme de sceau qui peut leur ôter la vie. Alors, qu'en dis-tu ? Je te suis. Montre-les-moi. Je m'en doutais. J'avais bien vu que tu as le potentiel pour devenir un excellent maître. Certains ne sont pas humains. À vrai dire, techniquement, tu peux les appeler des humains. Explique-moi tout en détail. Je ne connais rien de ce monde. Les semi-humains partagent nos caractéristiques, hormis certaines parties de leur anatomie. On les utilise pour des tâches spécifiques ou en tant que serviteurs. Les hommes bêtes sont des semi-humains avec une apparence plus proche de l'animal. Ils peuvent servir de garde du corps ou bien participer à des combats à mort. Je vois. Et ils sont tous dans la même catégorie ? Oui, et comme les semi-humains sont considérés comme étant plus proches des monstres que de nous, ils sont difficilement acceptés dans ce pays dominé par les humains. C'est la raison pour laquelle ils sont réduits en esclavage.
光見つけた空白の時間迷い込んだチューズリの世界信じられる答え探し求めてよただ彷徨ってよ夜明けの席までガラライト休み捨てたら暇もない抜けた傷跡塞いが手に静寂で塞いでく誰も彼も出てはバイブ守るだけじゃ can't survive